nous a rejoints. Le soleil en Bretagne a prévu, c'est super, Didier. On rappelle que la prochaine marche est partie. Bon courage à toutes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Quelle puissance! Merci Kiki. C'est parti pour un retour. C'est la meilleure gagne. Toutes catégories confondues. Ah, c'est impressionnant. 150 participants. Jamais TV n'avait accueilli autant de concurrentes. Il y a même une équipe espagnole basque. Présente sur cette épreuve. Et on rappelle qu'il y a un rendez-vous important.
m'aiderez. Dernier tour pour le peloton, écarté de 4 minutes.
avec la sorcière de Berne. Dernier tour avec Dounier qui est là. Dernier tour. On a des nouvelles de France. Inferia. Allez là. Aujourd'hui sur cette terre, elle a tenu à remporter votre épreuve de la Coupe de France. Alors maintenant pour la médaille d'argent et de bronze, voilà, à 1 minute de contre-accordant Rago, troisième Alain et quatrième sur le travail, champion de France il y a un peu plus d'un an et demi. Pour l'instant, on applaudit Frédéric Larosse, Gingras, cinquième Frédéric, à 2 minutes et 11 secondes. Bravo Fred, t'as le droit de me payer un coup. Hein. Bravo jeune fille. Septième et huitième place. Allez Marie Lennette va terminer. En deuxième position, sixième, septième. Bravo Marie. Marie Lennette, et à la huitième place, c'est Laura Sansio qui franchit la ligne avec un retard. C'est devant ton côté là. Sprint qui va être remporté par la sociétaire de Berne pour la 9e place. Bravo. Allez, champion, bon moment. 9, 10, 11, 12, 13. Bien, Lucie, c'est bien. 13 ou 14. C'est bien, Ophélie. Messi Jolier, donc, termine la 9e. Voilà, donc, une quarantaine d'unités dans le top 50. De merveilleuse façon, nous allons la présenter maintenant avec trophée et bien entendu fleurs pour, sur la première manche du podium, l'excellente Audrey Condor-Rago, pour musical. Alors le meilleur tour auparavant était de 17 minutes et 2 secondes, c'est impérial. Je vous avoue que j'avais même pas de compteur sur mon vélo aujourd'hui, j'ai tout fait aux sensations et j'ai tout fait à bloc et je voulais juste pas que ça rentre derrière et puis arriver toute seule et pour pouvoir profiter aussi de passer la ligne avec le public et voilà, c'est chose faite et c'est tout ce qui compte. C'est jamais facile de gagner deux fois chez soi et surtout consécutivement, mais on peut venir lorsque vous avez frappé. Il restait environ 17 km à couvrir. Vous avez mis tout le monde en difficulté, même les partenaires de la nouvelle Aquitaine, ne savaient plus comment faire. Ouais, après, elles ont un gros collectif et c'est toujours difficile de le déjouer. On l'a vu jeudi dernier sur le KBE où elles ont fait une course remarquable et où on n'a pas pu tirer notre épingle du jeu. Donc aujourd'hui, j'avais à cœur de faire différemment et de la jouer peut-être un peu plus finement tactiquement et ça a fonctionné. Après, je pense que j'étais la plus costaud de ce groupe et... J'ai pas risqué d'arriver au sprint, j'ai préféré arriver seul parce que c'est toujours en plus beau d'arriver seul et voilà. Dernière question Audrey, est-ce que vous pensez déjà au mois de septembre à l'Autriche et son mondial? Non, pas du tout. Le championnat du monde cette année est pas du tout. C'est pas un circuit que j'affectionne. Il y a plus de 3000 mètres de dénivelé. Donc, étant bretonne, j'affectionne plus les coups de cul un peu comme ici. Et du coup, ça va être un peu trop dur pour moi. Mais avant ça, il y a les championnats d'Europe qui à Glasgow qui me vont. Là, le parcours vous convient totalement. Hein. Je l'ai observé. Il y a des petites pentes à 8-10%, mais c'est sur 300-400 mètres. Ça vous convient indéniablement. Oui, tout à fait. Puis on a vraiment une grosse équipe de France. On a une nouvelle génération qui arrive. On est très forte. On est cinquième au niveau européen, ce qui nous permet d'être 8 au départ. Je pense que c'est jamais arrivé auparavant. Donc on a vraiment une bonne carte à jouer. Et puis j'oublie pas aussi le Grand Prix de Plouay fin août. Où je vous invite vraiment tous à venir supporter le cyclisme féminin, puisque c'est un sport différent de celui du cyclisme masculin. C'est un sport où on se bat, où on a envie de progresser et où on montre vraiment une belle image, donc venez nous voir. On l'entendrait pendant des heures, tellement à nous.
Christine Bragne, un trophée qui lui va très bien. Vous savez, Christine a été championne de France à moins de 19 ans. Elle remet maintenant les fleurs, suivie de Didier Marchand pour la Fédération française de cyclisme. Un applaudissement donc pour la sociétaire de la Nouvelle-Aquitaine, l'excellente Victorine Tillmann, deuxième. Merci à vous. Pour cette belle troisième place, suivie de Didier Marchand pour la Fédération française de cyclisme. Un petit flash musical pour nos trois championnes. C'est parti. Merci, merci à vous, merci de votre support, mesdames, messieurs. On va vous présenter maintenant la meilleure espoir sur l'ensemble de la... Jadiel, meilleure junior qui arrive. Elle était déjà sur le podium à l'Alarbini au championnat de France de cyclocross. Et elle reçoit des mains de monsieur le maire de Trévé et monsieur le maire de Loudéac le trophée et les fleurs. Jadiel, on l'applaudit encore. Coupe de France au scratch. Marie Lenette, quatrième au championnat d'Europe. Superbe. Marie, c'est monsieur Le Bouffon qui vient de mettre les fleurs. Et un rôle important pour Didier Marchand qui représente la Fédé. Marie va recevoir un nouveau meilleur leader sous vos applaudissements à Trévé sous le soleil breton. Superbe maillot. Elle vient de terminer quatrième au championnat d'Europe contre la montre et sur route. Et là, elle reçoit un nouveau maillot. Il lui reste deux jours de compétition à la Coupe de France. Mais en tout cas, elle est très bien partie. C'est parti avec les compliments. Serrez-vous là. Serrez-vous.